Ça y est, donc le sécateur a été poncé. Donc ça se voit. Voilà. Voilà. J'ai poncé aussi cette partie-là, mais de toute façon, il faut savoir que cette partie-là, l'origine, elle est rouge. De toute façon, toute la partie va être refaite. Sauf ce truc-là. Ça, par contre, faut que je trouve une astuce pour qu'il soit pas peint. Donc faut que je vois. Sur limite, je mets du scotch là, comme ça et tout. Je mets du scotch là comme ça, pareil pour l'autre côté, puis après sur le machin, je sais pas, faut que je vois. Donc ce que je vous disais, en grain de papier pont, j'utilise celui-là de chaque sens. Voilà, grain de 120. Ça marche très bien. J'ai utilisé un tout peu. Donc voilà, donc ça marche bien. Donc alors, l'anti-rouille que j'ai pris. L'anti-rouille, c'est ça. Donc c'est une anti-rouille et couche de fond. Le capuchon, je suppose qu'elle est noire. Donc voilà la bouteille. Ça c'est la peinture que j'ai pris. C'est pas la même le même rouge à 100%, mais bon. De toute façon, de base, ce machin là il est rouge, mais bon, ça fera l'affaire. Je regarde et je vais faire sortir de la peinture de dehors. Pareil pour l'anti-rouille, puis je vais voir à quoi ça ressemble. Et moi je vous dis bye pour une prochaine partie.